Aïlala, Mohamed Aslam. Eh, Brahman, il faut aller trouver ton papa Ocha, il est là-bas. Maman, moi je suis fatigué aujourd'hui. Si moi je ne travaille pas, les autres aussi peuvent travailler. Moi, je suis qui fatigué. Va travailler à ta place? Des fois, c'est la vie, Nala. Eh, Brahman. Ah, Naoutoué. Il y a tel et pas une apôtre, vous me saignez. Qui va se faire? Il faut aller au champ. Aïe, dis-moi si, comment non? Oui, Soul. Ouais, Eddy. Tout le moi j'avais été chez ma femme, mais elle m'avait trahi. Oh, lui là, c'est intéressant. J'avais dit là-bas, j'avais 2 heures de temps là-bas. Wow. Je n'ai pas la vie. C'est pas bon ça. Elle m'avait trahi ce jour-là. J'avais dit là-bas, j'ai dit là-bas, du 23 à la journée, et moi j'étais là-bas. Je n'ai pas la vie. C'est pas bon. Ah, mais c'est pas bon là. Mais lui là, c'est un traître. Lui là, c'est un traître. Mais quand même. Oh, petit goût là, faut laisser le goût là. Ouais, sinon c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon, hein. Pourquoi il faut aller au champ? Maman, je vais pas. Tu ne vas pas? Je vais pas. Tu ne vas pas? Il faut dire que moi je suis au grand tour. Eh, vous croyez que ça me dit? Ah, maman, frère, où là? Ah, vous êtes là, il est là. Brahma. Ah. Regarde-moi. Il faut aller trouver ton papa au champ. Je te dis d'aller trouver ton papa au champ. Eh, Brahma, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, non, ah bon? Tu es là. Voilà. Maintenant, il faut aller où tu veux. Il faut aller. Imbécile que tu es. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi ça, le soulard là. Tu vas trouver ton papa ici aujourd'hui. Il va te tuer. Tu le connais? Tu te dis rien? Imbécile. Allez, moi, c'est une autre femme. Ah, ok. Mais c'est pas bon, hein. Non, ça, il y a les folles. Il n'y a pas. Ah, non, gars, rien. Il faut aller là-bas, acheter. Acheter comme quoi. Non, non, on laisse comme ça. Ok, on va laisser comme ça là-bas. C'est d'accord. Mais peut-être des fois tu décolles. Ah mais c'est vrai, tu as été là-bas comme j'espère. Non, je n'ai pas été. Tu sais, on a le travail aujourd'hui. Vraiment? 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 Ah! Il est sorti, hein? Oui, il n'est pas parti au champ aujourd'hui, il est parti au gré avec ses amis. Quoi? Il est parti au gré. Il a tout fait d'aller te trouver au champ, il a refusé, il est parti au gré. Devant toi, si tu n'as rien dit, n'a pas dit que je suis au champ d'aller me trouver. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Attends, il va voir. Pourquoi c'est ton fils, il fallait le trouver. Hein. Merci. Voilà. Vraiment? Moi, je n'ai rien à dire. S'il te plaît, j'espère quand même que tu as mis un peu dedans, non? On a ça seulement. Tu n'as rien mis? C'est bon comme ça. Ah, putain. C'est pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Mais ton père s'appelle. Ah, laisse tomber. Là, il a. Brahma. Grand, ton père s'appelle. Ah, petit, laisse tomber. Là, il. Laisse tomber. C'est petit, pour mettre du thé là, s'il te plaît, essaie de mettre un peu. Qui est au Jada? Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Hein? Non, je te respecte. Hein? Je te respecte, pardon. Je te respecte. Moi, je te respecte, pardon. Bon, va au champ. Tu dis d'aller au champ, tu viens, t'as sorti, tu dis. Je te dis, je te respecte. Ok, mais vas-y, je vais partir quoi, mais vas-y. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Mais attends, c'est pas toi. Papa, c'est ta maman. Mais si je trouve ta maman là-bas aujourd'hui, elle sera de quel bois je me chope. Maman, dehors tout ça, s'il te plaît. Ah, petit. Eh, Blanda Pilou. Mais grâce à toi qui accepte ça. C'est grâce à ce que ton père a fait ici. Petit, ce qu'il y a, tu vois, non? Je ne dis rien à mon vieux là. Il n'a qu'à continuer. Mais je sais, moi je suis capable de quelque chose. Mais moi, tu vois ce que mon père avait fait. Moi, je sais ce que je le fais. Je le poigne. Je sais, moi, j'ai confiance en toi. Je sais, j'ai confiance en toi. Tu vois pour moi. Si le père n'est pas maintenant, il faut le poigner. Mais tu laisses mon père jusqu'à ce que j'arrive à la maison. D'accord. Je vais finir avec lui, je te le jure. D'accord. Oh, c'est que Dieu, comment on peut parler? On dit c'est lui qui fait ma vie. C'est pas lui qui fait ma vie. Voilà, moi je vis sans lui. Et là, c'est que lui a fait. Pardon, fais-moi le tri. Voilà. C'est vrai. On a trouvé un il m'a parlé là-bas, c'est pas la même. Là, il a là. Eh, là. Voilà, c'est moi. Il est là, les gars. Nous sommes tous. Nous sommes tous des gens là. Regardez-moi ça.
Voilà. Il faut rester à cause de Kinkoro, C'est pourquoi celle-là n'est pas mariée. Toujours si tu la vois ici, elle parle le bon nom de Kinkoro. Et quand il y a bras, ici, hein. Ah, ben, il va me dire tout ça. Il y a des gens qui sont venus. Tranquille. La ilaha illallah. Muhammad Rasulallah. Papa, tu pleures? Hein? Tu pleures? Non, je pleure pas. Toi, tu vas pleurer à ma place ici. C'est toi. 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 C'est Tu sais, dans la ville, des manières. Ah, tu as parfaitement. Toi, tu es heureuse dans ce monde. Ah bon? Et tu es heureuse chez ton mari. Nous avons grandi ensemble ici dans ce village. Mmh, ça, c'est vrai. Et nous sommes mariés le même jour. Mmh, le même jour. Le même jour. Mmh. Et tu as combien d'enfants? J'ai 4 maintenant. Tu as 4 enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Et ça me fait pitié moi-même. Ça me fait pitié. Le fait que je n'ai pas d'enfants. Hein? Et si aujourd'hui toi ton mari te frappe à cause de tes enfants, moi mon mari me frappera à cause d'autre chose, mais pas à cause de mes enfants. Ça ne fait pas. Pourquoi ne sais pas ce que je fais à Dieu. Je ne sais pas ce que moi je fais à Dieu. Pourquoi pas, hein? Et c'est des traitements, j'en ai suivi beaucoup, j'en ai fait assez. J'ai pris des médicaments traditionnels, j'ai fréquenté des hôpitaux, je ne peux même pas citer. Tu as vu, tu m'as fait pleurer aussi. Hein? Calme-toi, hein? Calme-toi. Hein? On va trouver la solution pour ça. Quelle solution encore? Il faut prier, tu demandes le bon Dieu de te donner les enfants. Hein? Il ne faut pas pleurer à cause de ça. Hein? C'est Dieu qui donne. Hein? C'est lui seul qui peut te donner des enfants aujourd'hui. Hein? On va trouver la solution pour ça. Hein? Tu vas faire pleurer aussi pour ma femme. Cesse. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Je vais aller même passer la journée avec toi aujourd'hui chez toi. Ça me fera plaisir. D'accord. Ça me fera plaisir. Merci. Merci, il ne faut pas pleurer. Du courage. Oui, tu veux te laisser. Tu dois passer encore chez ma tante là-bas. Après, tu vas me trouver à la maison. D'accord, j'irai. D'accord. Je vois maintenant que tu n'as pas en grossesse. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Je sais que ta ventre là a encore tombé, parce que ça fait la troisième fois. Donc si ça aussi est tombé, ne te fâche pas. Est-ce que toi tu sais si c'est tombé en fait, ça fait la troisième fois aujourd'hui? Ah,
C'est ton mari. Hein. Regarde-moi. Hein. Regarde-moi très bien. Mm-hmm. Hein? Gare à toi. Gare à toi. Si je prends la nouvelle dans notre village ici, je connais même pas comment je vais prononcer ton nom là. Que tu m'as publicité, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Gare à toi. Si je te frappe, je mets billet en l'air. Tu vas regretter pourquoi tu es venu dans ce monde-là. Tu vas le regretter amèrement, je te mens pas, hein. Parce que tu es là à me chercher, tu m'as eu aujourd'hui. Je te le promets. Tu me promets quoi? Mais voyons les choses. Si par exemple c'est ta jeune soeur, tu sais, t'as la année dans le jeu. Ou bien tu as des... Imagine-toi, tu as des sales, tu as des sœurs. Hein? Il faut penser à ça. Et pitié de moi. Mmh. Moi, si je ne fais pas ces choses-là, parce que je veux seulement le faire. Je fais parce que j'ai besoin d'un enfant. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est-à-dire, ta parole là m'a pleuré. Ta parole là m'a pleuré. Nous ne sommes pas là pour... Tu n'es pas là pour... Non, laisse-moi te dire. Tu as pitié de moi. Voilà, Kinikini Bari Mina, tu as pitié de moi. Comment Kinikini Bari Mina? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai trop remarqué en toi. Tu as trop souffert avec ton... Mais attends, ton mari, il a choisi. Oui. Il choisit. Mm-hmm. Alors, il faut prendre bien. Moi, je ne vais jamais te tromper et je ne vais jamais gâter ton nom. S'il plaît à Dieu. Tu sais, l'enfant, c'est Dieu qui va donner. Mm-hmm. Ce n'est pas, d'une affaire d'État et puis ce n'est pas une affaire de quelqu'un ou de ton mari ou de toi. Mais si tu vas aujourd'hui là, tu es en train de tromper nous. Et tu trompes à toi aussi même. Je sais que tu veux de l'enfant. Mais Inch'Allah, on a commencé. Je connais ça. Je connais tout. Tous les films qui sont en train de passer dans le village ici. Mm-hmm. Et après? Mais je ne dis pas. Je ne vais pas parler. Inch'Allah, je ne parle pas. Tu me promets? Je te le promets. Ils deviendront des amis. Hein? Toi qui es tu me le promets. Mm. Et tu saches pas ce que tu as dit. Mm. Tu vas me garder en secret. Mm-hmm. Nous deviendrons des amis. Chaque fois que tu passes à la maison, je te donne le riz, tu vas manger. Ah, ok. Tu as compris? Hein? Je te le promets. Je te promets ça aujourd'hui. Je ne vais jamais te trahir. Et je ne vais jamais parler ça à une autre humaine. Ah, s'il vous plaît, à Dieu comme là, ça. Là, nous sommes des amis. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aime, c'est-à-dire ce que je vais te dire maintenant, quand tu veux attacher ça maintenant, attache ça très bien. Pour que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre voit ça, tu diras maintenant que tu vas penser maintenant que c'est moi qui ai dit. Non, 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 t'as pas vu, j'attache ça très bien. D'ailleurs, okay. Tu vas attacher ça. Pour ok, laisse-toi, je vais attacher ça. Pour toi. Ah, tout ça là, c'est l'élèvement de, à cause de l'enfant. Oui. Voilà, il m'a l'air d'un seul blanc. Allah akbar ka ta bin duniya madani ndite awat ala da ne bila han c'est bon oui, c'est bon okay. Okay. Et fait doucement si le tu vas tomber c'est ce que je veux. Fais doucement. Ouais. Monte-toi maintenant. Oh, monte-toi. C'est une tasse. Mmh. C'est de l'eau, quoi. À la maison. Mmh. Mmh. Il devrait avoir un peu de l'eau. Ouais. Il doit se marier à la maison. Qui est ton mari? Mmh. Il n'y a pas de trou de l'eau sur toi. Mmh. Là, on puisse de l'eau. Trou de l'eau. Ah, le puits. Ah, le puits, hein. Ah, non, non, non. Ah, on n'a pas là. Ah, bon, d'accord. Ah, toi aussi. T'as compris ce que j'ai dit? Non, j'ai tout compris. C'est, je te le promets. Quand j'ai fait ça, qu'elle est pour la soumettre. Moi, j'ai le pitié de toi. Voilà. Tu dois, il faut, mais on a monté comme ça. Tu ne t'es pas lavé, non? Non, je vais me laver à la maison. À la maison maintenant. Mm-hmm. Voilà. Alors, oui. Ah, ouais, ouais. D'ailleurs, on ne devrait pas changer de route. Tu vas vers là parce que si les villages... Ah,
Bah, voilà, ils vont dire quelque chose aussi. Ils vont partir comme ça, hein. Merci. Au revoir. La ilaha illallah, rasulallah. Bon Dieu. Bon Dieu. Descendre le margot, c'est pas pour vous attraper le poisson, poisson seulement. Voilà, c'est des sorcières de quelque chose. Et j'ai le caillou là dans ma main maintenant. Mbara, 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 à qui c'est dire sorcière ça. Voilà. Mais, oh, soleil, soleil. Ça, c'est sur la vie, même malade, il est dans mon cœur de sol. Voilà, c'est ça. Tous les villages, ah, tout le monde est une belle fille. Oui, tout le monde est à vous. Allez, encore, oui. Allez, encore, voilà. Regarde le pied, dans la zone. Mais après, tu vas attendre. Il va pas venir. Tu dis demain, c'est demain. Demain, demain. Dans la zone. Salam alaikum. Ils étaient comme ça au bord de la route là-bas parce qu'il y avait un saraka là-bas. Voilà. Donc ils ont préparé beaucoup de riz. Voilà. J'ai bien mangé, vraiment. Voilà. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu un prétendant. Yo, prétendant. Lui, il est là-bas d'abord. Mm. Voilà.
Ok, attends-moi, j'arrive. Je n'ai rien aujourd'hui. D'accord, attends-moi, j'arrive. Et tu connais mon mari aussi. Attends, faut pas rentrer dans tous les détails. Patine, vraiment, j'ai honte de toi maintenant. Non, tu vois la venue que m'a mis là. Attends-moi, attends-moi, d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup. Vraiment. Mais regarde. Qui était un peu triste là? N'hésite rien à me demander, tu comprends? Oui. Hein? Tiens. Tu as 200 dollars ici. Eh, merci, Fatih. Tu vas directement en ville, tu vas faire la monnaie et tu rentres avec l'argent. Ou bien tu t'achètes tout ce que tu veux, quoi, tu rentres avec. Hein? D'accord. Pour rien hésiter, tout ce que tu voudras, il faut me demander. Il n'y a pas de problème, hein? C'est moi, j'ai honte maintenant. Et dis donc toi, mon fille. De te demander, là. Ça me fait beaucoup. Et tu veux pleurer encore? Tu veux recommencer tout? Non, hein? C'est pas ça. Et quand tu pleures, là, moi aussi, je veux pleurer. Ah. Hein? Faut pas pleurer, s'il te plaît, d'accord? Hein? N'hésite rien. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Nous sommes ensemble, merci, hein? Merci, je suis là pour toi. Merci. Hein? N'hésite rien. D'accord? D'accord, merci. Bon, je rentre. Déjà, tu ne peux pas attendre votre mari. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Ah, toi aussi, je te dis, tu n'as pas à me remercier, non? C'est quoi? C'est comme ça qu'on s'habille. Ah, comment, madame? Ah, comment est-ce que tu connais pas là où tu as mis? Comment est-ce? Comment est-ce? Oui, madame. Ah, regarde, tu as vu mes chaussures là-bas. Il a vu mes chaussures. Va vite! Va vite, on va être comme ça. Prends ça! Oh, tu ne comprends pas, toi. Va, prends ça! Et tu déposes ça! Bien! Allez! Dépose ça! Dépose mes chaussures. Non, pas tu as affaire ici. Bien, on va, je vais t'accompagner. Je vais le trouver. Je comprends pas. Tu as peur? Ah, j'ai peur de comme tu as l'habitude de me gifler tout le temps. Donc maintenant, en venant envers toi maintenant, je me méfie. Non, non, j'ai l'habitude de me gifler, je ne vais pas tout le temps. C'est ça que je te dis. Viens, on va s'asseoir. Je vais te parler un peu là, d'accord? Attends, madame, attends, je t'apporte le siège rapidement. En fait, écoute. Je vais t'aider. Je ne veux pas te faire du mal, d'accord? Hein? Tout ce que je fais là, assois-toi. Mais pas après. Tout ce que je fais là, je le fais après, je regrette. Tout ce que je te fais là, je regrette. N'hésite pas à moi, toi aussi. Ne fais pas d'eau. Je te demande pardon, d'accord? Pardon. Hein? Si tu sais, pourquoi je dis ça? Non. Ça veut dire, quand tu entends mon nom, je me dis, Kobe Siri, ta fille là, je connais beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire, moi, tout ce que j'entends de faire aujourd'hui, c'est pas de mon intérêt que je défends. C'est votre intérêt que je défends, moi. Il y a certains secrets. Voilà. Voilà. Mais il y a certains secrets aussi. Qui ne connaissent pas en nous. Non, surtout, surtout, bon, surtout moi. Ouais. Normalement, là où tu es aujourd'hui, là, ta vie est complètement changée. Moi aussi, ma vie doit être changée maintenant. Tu as raison. Ça, tu connais. Mais, madame. Ta copine là, elle a commencé à dire le nom de ta fille devant les gens. Quoi? Non, écoute-moi. Je n'ai pas d'intérêt pour te mentir, madame. Mais là, madame,
S'il ne fait pas ça, on court le mort. Et puis, il commence à dire, hey, il ne faut pas avoir la fille là avec ma copine. C'est mon fils. Donc, il faut te méfier beaucoup. Ah bon? Et puis, ouais, si tu vois aujourd'hui, je suis inerme contrôlé, j'ai... Ce jour-là, tu m'avais commissionné au boucher pour aller acheter de la viande. C'est là-bas que j'ai trouvé l'entente de parler. Dès que je le vois seulement, je me suis courbé comme ça. C'est vrai. Et là, tu dis, c'est bien. Les mains coupées dans le... cassées dans les chemises. Un jour, je ne vais pas sortir. Bon, au coup, voilà. Donc méfie-toi, madame. D'accord. Et puis il faut, ça dit, il faut pas l'accueillir tout le temps. Dis-lui, il n'a qu'à rester. S'il doit avoir quelque chose, donne-moi, moi j'envoie ça. Hein? Madame, moi je défends ton intérêt. Moi je suis ivoirien, je peux pas mentir. Tu dis ça. Tu m'as donné une leçon aujourd'hui. D'accord, tu vas donner une leçon aujourd'hui. Mais je vais te récompenser. Pas aujourd'hui. Madame. Je te récompenserai un jour. Ouais. J'ai quelque chose pour toi ici. Je vais te donner ça. Non, je ne fais pas ça à coup d'argent, madame. Non, moi je te paye. Non. Regarde. Je suis là, tu me payes. Ça crée ton intérêt personnel que moi je lui fais, madame. J'ai compris. Ouais. C'est pas à coup d'argent, madame. J'ai compris, mais je t'avais déjà proposé ça. Même si tu ne me parlais pas, je vais te donner ça. Non, madame, laisse tomber ça. Tu sais, moi, madame, il faut enlever ça dedans. Non. Il faut enlever ça. Je te donne un cadeau. Parce que c'était deux pantalons et deux chemises. Deux pantalons. Ah, deux pantalons. J'avais payé ça. Et puis je vais payer un bon pantalon. Voilà. Surtout j'ai vu un pantalon hier là. Ça c'était joli, madame. Voilà. J'avais payé ça. Tu sais, tu es beau là, bien arrêté. Quand tu t'habilles bien là. Et madame, quand je sors, c'est ce que les hommes disent, que je suis beau. Tu es beau, bien donc, arrêté. Voilà. Et ça veut dire, tu cries seulement sur le sang là. Ah, madame. Ça, c'est pas on a payé sa chair. Ça c'est pas beau. Qui? D'accord? Ce qui me plaît. Ok. Hein? Alors. Tu vas donner beaucoup de leçons. Tu vas l'air, madame. Voilà. Si tu veux, si tu veux, madame, pas me mentir. Ce que Kobe Cédé a dit là, c'est vrai. Si je prends pas mes dispositions dès maintenant, je serai la perdante. Là, au moins, c'est clair. Je vais prendre mes dispositions. Il y a beaucoup d'exemplaires de ça. Et puis, c'est la troisième fois qu'on me parle de ça. Ce que Kobe Cédé a dit, c'est vrai. Je vais prendre mes dispositions dès maintenant, moi aussi. Si le bon Dieu le veut bien. Est-ce que c'est vrai? Attends. Je vais prendre mes dispositions. S'il te plaît, pardon. Dis maintenant. Je vais me changer. Anna. Anna, il faut que tu commences à aller maintenant. Non, tu vas bien la foutre. Tu dois se la foutre, mais à qui est-ce que tu es? Non, ma connaissance, il m'a gossé grave. Maintenant, la gueule à la chef.
Il m'a condamné. Ce que j'ai à te dire, écoutez-moi attentivement. Et ne parle plus maintenant. Parce que Mohammed Rasoulallah et Marasouba. Toi, tu sais pas que si une femme peut faire sans enfant, une femme peut faire sans enfant, c'est un seul enfant qui va devenir riche parmi ces enfants-là. Oui. Hein? Oui, oui, oui. C'est pourquoi j'ai peur de te dire les choses. Non, arrête. Fatoumata ne veut pas te voir. Fatoumata ne veut pas voir ta femme. Oh, mais c'est pourquoi je veux que tu m'aides. Comment moi je peux t'aider maintenant? Oh, Mansouba, non, c'est fini. Eh, Mansouba. Mais qui est mon ami d'en face ici? Non, mais le problème d'en face de l'ami, là, laissez tomber ça. Mansouba, ça va, et puis, je suis découragé. Eh, je suis indigné là. N'y a mon gagné, ça fait. Je peux rien dire comme ça devant toi. Eh, Mansouba. Eh! Ton seul enfant, vraiment, est fainéant. Ta fille là est zéro. Elle, jusqu'à présent, elle n'est pas mariée d'abord. C'est sa jeune. Eh non. C'est fini pour toi. Pour toi, elle est gâtée. C'est fini. Je ne vais plus te voir chez moi. Si le jour que je vais te voir chez moi, si je ne t'égorge pas, je vais te percer. D'accord. Maintenant, toi, tu es zéro aujourd'hui. C'est fini. Je vais aller. Madame, celle-là a beaucoup marché. Je vais aller avec toi. Regardez-moi le vilain garçon là. Allez, dépêche-toi, sors. Ok, madame.
Regardez-moi le vilain garçon là. Allez, dépêche-toi. C'est pas possible. Astak pour la quête du mangade pour ça. Viens, viens s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut pas avoir peur. Viens. Viens, viens. Si je ne t'aime pas, je ne veux pas te faire ça. Attends, je vois plus. Moi, ma vie est en danger aujourd'hui à cause de toi, madame. S'il te plaît. À cause de moi? À cause de toi, vie. Viens. Combien c'est de où tu m'amènes? Viens. Kobe Cédé, qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi s'il te plaît. Je, si c'est de l'argent, je vais te donner. Mais madame, tu madame ne crée rien, madame. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Viens. Je sais que tu es bien habillée. Eh. Ne te gêne pas, assieds-toi. Kobe Cédé. Assieds-toi, madame. Ne me viole pas, s'il te plaît. C'est pas pour. Que Dieu m'en garde pour ça, assieds-toi. Tu n'es qu'un fils, et tu es mon fils. Mon... S'il te plaît, assieds-toi, madame. Madame, je m'excuse beaucoup pour te faire ça. Pardon. Je m'excuse beaucoup. Mais j'ai un secret qui est lentement gardé entre moi et Dieu. Entre moi et ta maman, et entre moi et toi aussi. Ma mère? Ta maman. Quel est ce secret, madame? Mais... T'es dit aujourd'hui? Attends. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Voilà, tu me suis maintenant. Moi, ma vie est en danger. C'est comme ça que ta maman m'a pris pour emmener quelque part. Il m'a même montré le fusil et les deux balles qu'il va me tuer quand je... Quand je parle le secret là avec toi qui va me tuer. Ma mère. Ouais, ta maman. Mais celle que tu connais comme ça, comme ta maman, je m'excuse beaucoup. Mais quand je dis ça, ma vie est en danger. Attends. Ma vie est en danger. Attends, explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas ta maman propre. Quoi? C'est pas ta maman propre. Quoi? C'est pas ta maman propre. Là, mon esprit. Ma mère. C'est pas ta maman propre. Celle qui m'a mise au monde. Voilà, celle qui t'a mis au monde. C'est celle-là qui t'est en train de déconner avec celle-là. Qui? Celle qui est venue ce jour-là pour te trouver au travail. Elle est venue avec ton papa. Celle-là, c'est ta maman. Attends. Celle-ci, c'est Guidanke. Ah ouais, c'est ta maman propre. Tu es née devant moi.